Les SUV conquièrent le monde, nouvelle preuve sous le soleil espagnol. Oui, nous sommes à Gérone, à 100 km de Barcelone, pour découvrir le nouveau SUV dans la gamme de Mazda, le CX-30. On connaît le CX-3 et le CX-5, on attendait donc un CX-4. Mais Mazda donne à ce modèle de la nouvelle génération une nouvelle nomenclature. Suffisamment pour se faire une place au soleil? La réponse. Les 6 morts. Chez Mazda, l'expression s'applique à l'esthétique. Le modèle offre au design Kodo une interprétation plus mature. Il renonce aux lignes superflues au profit de surfaces sans fioritures. Le bas de la carrosserie évoque la robustesse du SUV. Le haut, l'élégance du coupé. À l'intérieur aussi, les surfaces sont traitées comme des œuvres d'art. L'harmonie et la précision sont au centre des préoccupations, comme l'humain avec un cockpit orienté conducteur. Intuitif, le nouvel interface Mazda Connect est aussi de la partie et renforce la convivialité, comme le système audio Bose proposé en option. Et puis, il y a la finition. Une finition exquise, comme on est habitué des Japonais, et un bon rapport entre les dimensions extérieures et l'espace dans l'habitacle. Moins de mouvements parasites pour plus de plaisir au volant, c'est aussi la recette de ce CX-30, fidèle au Jinbaitai, ce sentiment que la voiture est la prolongation du corps. Pour ça, le conducteur doit avoir le bassin bien droit. C'est une découverte de Mazda. Les sièges ont donc été dessinés pour respecter ce principe. La nouvelle architecture SkyActive fait le reste en gagnant en rigidité pour transmettre en souplesse les mouvements en provenance de la route. Mais la révolution de ce CX-30 est mécanique. Ce CX-30 profite d'un tout nouveau type de moteur, le SkyActive X. Il combine l'allonge d'une mécanique essence avec la souplesse et la consommation d'un diesel. C'est bien vu. Révolutionnaire, ce moteur animera le modèle dès fin octobre. Un autre argument de poids pour ce CX-30.